La rivière Camel a creusé son lit non loin du château d'Arthur à Tintagel. Un pont de l'époque romaine l'enjambe, c'est le Slaughter Bridge, le pont du massacre. Selon Monmouth, c'est là qu'aurait eu lieu en 537 après Jésus-Christ une grande bataille décisive pour l'avenir du royaume arthurien. Depuis un millier d'années, un monolithe est caché en dessous du pont. Il comporte une inscription relatant l'effroyable duel qui opposa Arthur et son fils Felon Mordred lors de la bataille de Camlann. Mordred périt lors de ce combat singulier, mais la pointe empoisonnée de son épée avait blessé le roi, qui devait donc lui aussi mourir peu après. À son insu, Arthur avait conçu Mordred avec sa propre demi-sœur Morgane le Fay, adepte des anciennes croyances. Mais puisqu'Arthur s'est tourné vers le christianisme, l'heure du châtiment est venue.